Adieu la classe, Kanta et les Juanda à votre disposition pour vous aider à apprendre l'occitan en chanson. Et aujourd'hui, 4 points pour aborder une chanson. D'abord, je vais vous l'interpréter, comme ça vous allez pouvoir l'entendre. Ensuite, nous allons la répéter ensemble les paroles. Et puis nous regarderons ensuite la différence qu'il y a entre la façon dont on prononce la chanson et la façon dont on l'écrit. Et enfin, en quatrième et dernier point, nous la chanterons ensemble. Cette chanson, c'est un hymne qui parle d'amour. C'est l'histoire d'un petit oiseau qui se pose sous ma fenêtre. Il chante, mais s'il chante, qu'il chante, il ne chante pas pour moi. Il chante pour mon amour qui est loin de moi. C'est l'hymne occitan qui s'appelle « Se canto ». Se canto que cante, canto paz per iel, canto per ma mio, que sa luen de iel. E jus ma la suite des paroles d'un couplet qui a été retrouvé dans des archives. Al cap de la plantado, un laurier perdejo, lupe d'isor sa furainada de 700 ans l'usejo. Maintenant, répétez ensemble les paroles. Se canto que cante. À vous. Se canto que cante. Canto pas per eu. À vous. Canto per ma mio. À vous. Que sa loin de eu. À vous. De jus ma finestro. À vous. Il y a une âme, c'est tout la nuit, canto.
Canto sa canso à vous. Nous allons maintenant voir quelle est la différence entre la façon dont on écrit la chanson et la façon dont on la prononce. Regardez ici. Dans une colonne, vous avez le texte occitan et dans l'autre colonne, vous avez la façon dont on le prononce. Ce n'est pas, attention, ici écrit en alphabet phonétique international, car si beaucoup savent le lire, cet alphabet phonétique international, d'autres aussi ne savent pas le lire. Donc nous l'avons écrit d'une autre façon en prononciation phonétique. Regardez ici le premier vers. C'est canto che cante. Vous voyez qu'il y a écrit autre chose, mais pourtant on prononce c'est canto che cante. Vous pouvez le répéter. Canto pas per eu. Également, vous voyez ici que le A, on ne dit pas canta, mais canto pas per eu. Canto per ma mio. Qu'est-ce à l'un de eu. Attention, c'est un peu compliqué à dire ça, à l'un de eu. Mais vous avez ici, au fur et à mesure, vous pouvez le suivre, la prononciation. De jus ma fenestro. Vous voyez ici qu'on ne dit pas de jos, mais le J en occitan se dit j. Et on prononce de jus ma fenestro. Il y a une aucelu. Attention, le AU en occitan ne fait pas O, mais fait AU. Aucelu. Toute la nuit, canto, canto sa canso. Hop, on voyait ici qu'il y a ON à la fin et en occitan on le prononce U, canso. Vous l'avez ici, donc toujours pour pouvoir suivre la prononciation. Aquelos montaños que tan altos son, même pas chun de beire, mas amor un son. C'est un peu compliqué à dire ceci, notamment que tan altos son. Il va falloir s'entraîner à le dire. L'ourépic, c'est le refrain que l'on retrouve ici. Et enfin, le couplet secret que nous avons retrouvé dans des archives. Al cap de la plantado, un laurier verdeggio, lo pedisò sa furainado de 700 ans l'usage. Au bout de la plantade, c'est un jardin, un laurier verdi, le pied dans l'orbe, sa fleur aînée de 700 ans, étincelle. Et maintenant, nous allons essayer de chanter ensemble cet hymne occitan. Vous pouvez suivre les paroles qui sont là, ainsi que la prononciation, pour vous aider si vous le souhaitez. C'est canto che cante, canto pas. Laurier Berger.
vous êtes arrivé à la chanter ou à la fredonner en tout cas, en même temps que moi en suivant les paroles. Et d'ailleurs, si vous avez bien remarqué, je vous ai au fur et à mesure de cette petite explication expliqué certaines paroles, notamment ce couplet, mais celui-ci, je n'en ai pas trop parlé de ces montagnes qui sont si hautes. À vous d'essayer de le traduire et de le comprendre. Je vous souhaite une bonne cansu, en utita, adicias.